السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج تيجيني تورك. الوغ اليوم غادي نستقبلوا واحد الشخصيه بلجيكيه سياسيه معروفه هنا في بلجيكا وحتى في المغرب، اللي هو السي فيليب موهو. فيليب موهو اللي هو وزير دوله وهو العمده السابق ديال لا كومون ديال المولمبيك اللي اصبحت مشهوره هنا في العالم. الوغ هاد لا كومون ديال المولمبيك بهجوا هذوك الارهابيين اللي مشاو فجروا راسهم في فرنسا، ولات يعني في العالم يعني تساوي يعني قلعه او لا مدينه تحتضن الارهابيين. بزاف ديال السياسيين وجهوا له انتقادات على اساس انه يعني قريب للمسلمين وهو اللي احتضن المسلمين في هذيك لا كومون ديالو، ومجموعه ديال الاحزاب العنصريه وجهت له انتقادات في هذا الاساس. خصكم تعرفوا بان سي فيليب موهو الزوجه ديالو هو مزوج الان مغربيه مسلمه، وهذا الشيء كيخلق له مشاكل عند بعض البلجيكيين. سي فيليب موهو بونسوار. بونسوار. Alors je disais que je vous présentais comme ministre d'État et ancien bourgmestre de la commune de Molenbeek, qui après les attentats de Paris du 13 novembre est devenu au centre de l'information internationale parce qu'on a découvert que certains terroristes venaient de votre commune. Alors tout de suite après, plusieurs personnalités politiques belges, certains francophones, mais beaucoup de flamands, vous ont pointé du doigt comme étant aussi responsable de ce qui s'est passé, presque responsable des attentats du 13 novembre de Paris. Bon, c'est d'un ridicule achevé, bien entendu, à tout point de vue. D'abord, s'il y a quelqu'un qui est opposé à ce type de violence, c'est bien moi, ça a toujours été moi. En deuxième lieu, je sais qu'on n'aime pas que je le dise, mais c'est la vérité, je suis plus bourgmestre depuis 3 ans, donc les événements qui ont amené à tout cela se sont passés à partir de 2013-2014, j'étais plus aux affaires. Et en troisième lieu, l'accusation qu'on me fait d'avoir géré cette commune avec laxisme, mais je peux répondre point par point. Je suis en train d'ailleurs d'écrire quelque chose où je vais prendre chaque critique, et non pas avec des paroles creuses, mais avec des faits montrés qu'elles ne tiennent pas la route. Vous êtes en train d'écrire un livre ? Oui. Sur quoi ? Sur votre... Sur Molenbeek et sur l'émergence du djihadisme dans beaucoup d'endroits où il y a des concentrations de populations arabo-musulmanes, dont Molenbeek. Alors vous avez une expertise en la matière, vous étiez bourgmestre depuis 20 ans, oui, de la commune la plus peuplée, j'allais dire, par la communauté arabo-musulmane, surtout marocaine et musulmane de Belgique. Vous êtes, ce qu'on dit, proche de cette communauté. Hein. Je rappelle, votre femme est musulmane d'origine marocaine. Ça vous pose quelques problèmes d'être marié avec cette femme ? Alors, sûrement pas dans la vie quotidienne. On a mis au point... Non, pas avec votre des femme, compromis parfaits. Oui, mais les gens ne comprennent pas toujours ça, qu'on puisse avoir des convictions philosophiques et religieuses différentes et bien s'entendre. Sinon, ça a donné lieu à des attaques, bien entendu, de la droite et de tout ce qui est raciste, qui ne supporte pas ce genre de choses. Mais... Enfin, ils avaient la preuve comme quoi... Ah oui, que j'étais proche, bien sûr, alors que les choses sont passées exactement dans l'autre sens. C'est parce que j'ai eu la chance d'avoir cette proximité avec cette population, en grande majorité marocaine, que j'ai appris à connaître ce beau pays et sa culture. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés il y a maintenant 14 ans et que voilà. Alors le fait d'avoir côtoyé de très très près cette communauté musulmane, le fait d'avoir aidé certaines mosquées à ouvrir dans votre commune, le fait d'être parti dans ces mosquées, d'avoir fait des discours à l'adresse de ces musulmans, a été pour certains suffisant pour prouver votre encouragement un radicalisme, un islamisme. Alors, d'abord, je n'allais pas faire des discours dans les mosquées comme certains vont le faire au moment des élections. Ceux qui aujourd'hui me critiquent, vous savez, quand les élections approchent, ils sont comme ça, en train d'essayer d'avoir... Moi, j'allais simplement, à chaque ramadan, dans toutes les mosquées qui m'invitaient, faire un discours de paix. Un discours où, en gros, je disais, voilà, comme représentant de l'autorité, je suis là pour vous dire que nous avons à vous respecter, que vous avez le droit de demander à être respecté comme musulman, mais, comme toujours dans la vie, en contrepartie, je vous demande de respecter ceux qui n'ont pas la même foi. Et je brodais toujours sur ce thème-là, qui est un thème, au contraire, d'ouverture, d'opposition au radicalisme, mais aux deux radicalismes. Le radicalisme raciste, qui est véhiculé par l'extrême droite et en partie par la droite,
et un radicalisme qui existe dans des milieux religieux qui rejettent ce qu'ils appellent les mécréants. Je rappelle que vous êtes ce qu'on appelle le père de la loi antiraciste ici en Belgique. Ce qu'on ne m'a pas pardonné dans certains milieux, c'est une des explications de tout ce qui se passe. Vous étiez ministre de la Justice, vice-premier ministre, ministre de la Justice. À l'époque, j'étais ministre de la Justice. Ministre de la Justice. Encore vice-premier. D'accord. Pourquoi ça vous a créé des problèmes ? Bon, ça ne m'a pas créé des problèmes, mais ça a fait que les gens qui n'aiment pas ça, il considère que je suis quelqu'un qui va trop loin dans son combat d'ouverture et d'humanisme. C'est assez classique, vous savez. Pourquoi ces gens, qu'est-ce qu'ils attendent plus de ces communautés d'origine étrangère? Mais écoutez, même ils sont devenus belges. Oui, mais il y a des gens, d'abord il y a des gens qui sont racistes, point à la ligne. Quand on est différent, on est mauvais. Ça existe, vous savez. Ils le disent en général pas aussi directement, mais ça existe. Et alors vous avez les gens pour qui... Quand on arrive en Europe, on doit devenir exactement comme un Européen. Je me rappelle d'avoir lu un jour un texte de quelqu'un que j'aimais bien, qui était quelqu'un d'honnête, qui disait « Moi, j'aime bien les musulmans ». Et puis quand vous regardiez, vous lisiez son texte, il aimait bien les musulmans à condition qu'ils fassent tout comme lui. Mais non, il faut accepter la différence. Bien sûr, la différence n'implique pas qu'on va accepter, par exemple, qu'il y ait deux types de droits. Il y a un droit qui est le même pour tous les citoyens. On ne va pas accepter, bien sûr, qu'on mette en cause les libertés et la démocratie. Mais pour le reste, un musulman qui a sa foi, je le mets sur le même pied qu'un chrétien qui a sa foi, qu'un athée qui c'est a une c'est tout le débat philosophie. Entre assimilation et intégration. Voilà. Vous êtes pour quel modèle, vous, Moi, je suis pour l'intégration à travers le droit à la différence. C'est un peu complexe, peut-être. Oui. Intégration, c'est-à-dire que je crois que l'étape ultime, ce sera... finalement, qu'on verra moins les différences, mais qu'en attendant, et certaines subsisteront d'ailleurs, on doit accepter une différence. Je vais vous donner un exemple qui me vaut souvent des critiques. Une femme qui porte le voile, volontairement, je ne supporte pas qu'elle y soit contrainte, moi je la respecte. Mais vous la respectez, c'est-à-dire vous êtes pour qu'elle... occupe une fonction dans l'administration publique, absolument, le contact direct avec un public multiconfessionnel. Voilà, moi ça ne me dérange absolument pas. Je dis il faut être prudent, parce que quand ça dérange certaines personnes, il faut faire attention, il ne faut pas choquer les gens. Et peut-être que je ferai une exception pour certaines fonctions où la personne fragile n'est pas le fonctionnaire, entre guillemets. Prenons l'exemple du magistrat. Quand vous êtes devant le magistrat, c'est celui qui est devant le magistrat qui est la personne faible. Elle peut craindre, si quelqu'un porte une croix, porte, que le jugement sera... C'est-à-dire pour certaines fonctions d'autorité. Très, très ciblées pour le reste. Moi, alors c'est pour ça que peut-être vos adversaires vous accusent de soutenir l'émergence, si pas de l'islamisme, au moins de l'idéologie islamiste. Non, je ne parce que qui pousse les jeunes filles à porter le voile, à le propager voile. Le voile. Moi, je trouve très c'est bien. C'est pour ça qu'il faut couper l'herbe des pieds tout de suite. Je trouve très, très bien les filles qui décident de ne pas le porter. Mon épouse ne porte pas le voile. Et c'est très bien. Et elle est musulmane convaincue. Moi, vous imaginez bien votre femme porter le voile. Je ne veux même pas l'imaginer. Elle ne le porte pas. Elle n'a aucune envie de le porter. Certains membres de sa famille le portent. Et donc, quand on attaque le voile, elle ne se sent pas attaquée, mais elle a l'impression qu'on attaque sa vieille maman qui porte le voile. Et moi, je dis simplement, quand j'étais jeune, et que j'allais dans les campagnes, ici en Belgique, et quasi toutes les femmes portaient ce qu'on appelait. On n'appelait pas ça un voile, on appelait ça un fichu. C'est donc pas quelque chose, le voile intégral. Mais il n'avait pas une connotation idéologique religieuse. Oui, bien entendu, ça j'en suis parfaitement conscient. Mais on ne m'a jamais dit qu'il fallait arracher les croix que certains chrétiens portent dans un collier. On ne m'a jamais dit de les arracher. Pourtant, c'est aussi une affirmation religieuse. Je trouve qu'une affirmation religieuse modérée, tant qu'elle n'est pas... agressive à l'égard de l'autre, ne doit pas être évidemment considérée comme le bien, mais doit être considérée comme quelque chose qui est librement accepté. Ce que je ne supporte pas, qui existe, c'est ceux qui veulent rendre, enfin, qui poussent les jeunes filles et les femmes à porter le voile. Je trouve que ça doit être une décision totalement libre. Alors on va parler de ces extrémistes radicaux oui. qui vivent...
au sein de cette communauté musulmane, y compris à Molenbeek. Certains reprochent déjà le fait qu'il y ait trop de mosquées sur un petit territoire comme Molenbeek, déjà pas normal. À votre c'est époque, vrai, qui, quand je suis arrivé, il y a 20 ans... Qui donne les autorisations pour la création de ce genre de... Personne ne donnait les autorisations. Quand je suis arrivé à Molenbeek, il y avait déjà, c'était déjà l'endroit de Bruxelles où il y avait le plus de mosquées. C'était au nom de... Il n'y en a pas tellement qui ont été créés depuis. En tout cas, il y a des lieux de prière un peu cachés. Oui, c'est là peut-être que des choses se passent. Mais la plupart des mosquées avec lesquelles j'ai eu des contacts existaient déjà. Donc ce que j'ai fait, ce n'est pas du tout créer des mosquées. D'ailleurs, ce n'est pas le rôle d'une municipalité. C'est établir, dans la mesure du possible, et ça a été possible avec beaucoup, des relations de confiance et des relations, justement, en opposition avec le radicalisme. Je vais vous donner un exemple. J'ai organisé, en accord avec la très très grande majorité de mosquées, une campagne contre le mariage forcé, qui existe encore, on le sait, et qui est plutôt une coutume rurale qui existait. Eh bien, j'ai pu le faire de façon beaucoup plus profonde et efficace parce que j'avais une relation de confiance avec... Certains critiquent certains discours radicaux portés par des imams officiant dans ces mosquées. Quel regard porte Philippe Moureau sur ces mosquées qui existaient dans cette, qui existent toujours dans votre commune? Mais écoutez, d'abord, moi, je n'allais pas à la mosquée écouter... Oui, mais vous êtes le bourgmestre. Oui, mais si vous croyez... Vous entendez des rumeurs, vous avez des rapports qui montent... Non, je n'avais jamais... Non, ce n'est pas au bourgmestre à s'occuper de ça. S'il y a à certains moments des endroits où on tient des discours dangereux, ce n'est pas un problème qui concerne l'administration communale. Elle n'a d'ailleurs pas les moyens. La sûreté de l'État, ça ne dépend pas de la commune. Ce n'est même pas de votre compétence, alors. Ce n'est pas de ma compétence. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer? Est-ce que le bourgmestre ne doit peut-être pas recevoir certains rapports de la sûreté de l'État, par exemple? Il en a reçu. La bourgmestre avait en main la liste des suspects. Vous parlez de la bourgmestre actuelle, Françoise Quétemans. Oui. De quelle liste vous parlez, comme ça, pour nos On avait établi, me dit-on, enfin maintenant c'est confirmé par tout le monde, on a essayé de le cacher pendant une dizaine de jours, il y avait une liste de suspects qui avait été établie. Et dans cette liste, il y a tous les noms des gens qui ont été arrêtés. Cette liste était donc dans la main des autorités, pas uniquement de la bourgmestre, de toutes les autorités. Je ne suis pas sûr qu'on en ait fait l'usage le plus... Elle pourrait torquer votre même argument, comme quoi elle n'a pas les moyens. Oui, mais je n'accuse pas Mme Skepmans. Est-ce qu'il ne faut pas changer les choses? Je n'accuse pas Mme Skepmans. Je suis étonné que les services du ministère de l'Intérieur... Alors à ça, M. Jan Bon, dont on connaît la subtilité des ministres de l'Intérieur, répond: ah, mais on ne peut pas mettre quelqu'un derrière quelqu'un, un policier, pendant 24 heures, ça prend ça. Bien sûr, on ne lui a jamais demandé ça. Mais ça, c'est ridicule comme réponse. Mais entre ne rien faire et mettre quelqu'un en permanence derrière les gens, il y a une petite différence. Parce que tout ce qui s'est passé à Paris, est-ce qu'on est bien conscient que cela a concerné, certes, trois Molenbeekois, mais une série de Français, des gens qui s'étaient infiltrés au milieu des réfugiés, des gens de Strasbourg, de Saint-Denis, de Drancy, un peu pas. Donc il y a dû y avoir des relations entre tous ces gens. On a été acheter des armes en Allemagne, on a été acheter des détonateurs dans une petite ville française, et tout ça est passé à côté et des services belges et des services français. Donc qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que, je ne vais même pas les accuser, c'est pas facile, mais que c'est un homme extraordinaire, dans une espèce de pieuvre. C'est pas un acte isolé. Un acte isolé, c'est très difficile de le prévoir. Très, très difficile. Et là, pour la police, c'est presque... Enfin, il faut tomber dessus par hasard. Mais là, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, il y a une négligence des services de sécurité belges et français, européens de manière générale? Je ne dis pas qu'il y a eu... Manque de coordination? Je ne dis pas qu'il y a eu une négligence. Manque de coordination? Je dis simplement volontaire. Que je constate, sans en tirer des conclusions extrêmes, parce que ce métier d'infiltration est très très difficile, donc je ne voudrais pas jeter la pierre, mais je constate que ce n'est pas, parce qu'on a l'air de dire « il y a des gens de Molenbeek, point ». Mais non, c'était toute une nébuleuse à travers l'Europe. – Mais ça ne concerne pas que les trois terroristes qui ont été, qui ont participé aux attentats de Paris, mais plusieurs terroristes venaient aussi de Molenbeek. – Et quels autres ?– Celui qui allait commettre l'attentat dans le TGV. – ça c'est tout à fait… c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Il a été logé chez sa sœur, il n'a jamais été élevé à Molenbeek, il n'a pas été radicalisé à Molenbeek. Il va loger deux jours, je crois, chez sa sœur, et on dit il est de Molenbeek. Mais l'assassin du Cheikh Massoud est passé aussi par Molenbeek,
par le centre culturel de Cheikh Bassam. Ah ça, Cheikh Bassam, c'est tout un projet. Il y a beaucoup qui sont passés par Molenbeek, hein, monsieur Mourou. Non. Beaucoup moins que vous ne croyez. Et quand le Cheikh Bassam, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis le seul qui a essayé à un moment de le coincer, en le dénonçant au parquet par rapport justement à la manière dont il faisait un espèce d'état civil parallèle. Il a, semble-t-il, et puis après, bon, il n'a pas eu d'ennui excessif, il en a eu. Et on l'a laissé faire. Il était connu dès les événements d'Afghanistan, il était connu de tous les services. C'est ça le problème depuis tout à l'heure. Alors ça, ce n'est pas le problème d'un Boumaître. C'est pas le problème d'un Boumaître. Beaucoup de choses qui ont été connues, et c'est pour ça qu'on accuse la Belgique de laxisme. Ça, j'ai toujours été... Oui, mais pas seulement la Belgique. Vous savez que j'ai retrouvé une émission française, dans une grande TV française, de 2013, septembre 2013, où on fait quasi l'éloge du Cheikh Bassam. Vous êtes conscient de la manière dont on a agi dans cette période où on voulait abattre Bachar el-Assad et on était prêt à s'allier à n'importe qui. Alors certains disaient que Cheikh Bassam avait des accointances avec les services de sécurité de certains pays européens. Il a été arrêté en Italie, puis relâché. Oui, enfin, et son fils est mort là-bas. Oui, en Syrie. En Syrie. Lui-même est blessé. Il est actuellement blessé. Il paraît qu'il a perdu un bras, je ne sais pas. Ça, vous savez, s'il a eu des accointances. Moi, je l'ai reçu ici, hein, dans cette émission, hein, M. Mourou, Cheikh Bassam. Oui, voilà, moi, je l'ai rencontré tout au début de mon mayorat, mais j'ai tout de suite senti le souffre. Alors, pour revenir à nos services de sécurité, est-ce que vous trouvez normal que la France, M. Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur français, juste après les événements et l'arrestation, pas l'arrestation, de la neutralisation d'Abaoud et d'autres terroristes, et remercier le Maroc ou un service étranger hors Union européenne. Tout le monde sait maintenant que c'est le Maroc, qui a donné cette information. Est-ce que vous trouvez ça également normal qu'après l'alerte lancée en Belgique, que le roi des Belges, Philippe, téléphone au roi du Maroc pour demander sa collaboration? Je pense que la collaboration dans ces matières avec le Maroc est très importante. Je ne suis pas certain qu'il faut en faire une grande publicité. Je pense que c'est des choses qui doivent se faire. Mais c'est très important d'avoir de bonnes relations avec un pays qui, tout de même, dans les pays du Maghreb, est celui qui a le mieux jugulé ce genre de phénomène. Et donc, je crois que je ne peux que l'approuver. Je regrette un peu que... c'est des choses dont on ne doit pas trop parler, ça doit se faire. Mais quand Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur français, dit spécifiquement que c'est grâce à une information d'un pays hors Union européenne, beaucoup d'analystes politiques disent que M. Cazeneuve a bien choisi ces mots pour désavouer un peu la non-coordination et la non-collaboration des services secrets européens. Est-ce qu'il reprochait ces services? Est-ce que vous disiez tout à l'heure? Ça, c'est une interprétation qui est peut-être juste, mais... Je suis prudent et je sais que les ministres de l'Intérieur, leurs déclarations sont faites pour le public. Elles ne sont pas nécessairement le reflet parfait de... Dans les médias, et certains politiques, y compris dans votre parti, ont critiqué l'ingérence ou bien l'importation de cet islam d'Arabie Saoudite, wahhabite, salafiste. Et beaucoup ont reproché, maintenant regrettent que la Belgique aille... mise à disposition de l'Arabie Saoudite, le pavillon qui s'est transformé, en la grande mosquée connue maintenant à Bruxelles. Ce qui est certain, c'est qu'au moment, ce qui était un acte positif, on a reconnu la religion musulmane, quand on analyse les faits de l'époque, c'est dans les années 70, on ne l'a pas fait pour faire plaisir aux musulmans, on l'a fait pour faire plaisir à l'Arabie Saoudite pour des raisons commerciales. Et là, on a été sans doute un peu imprudent, pour ne pas dire très imprudent, parce que de toute mon expérience, j'ai tout de même constaté que l'islam tel que pratiqué majoritairement au Maroc et en Afrique du Nord en général au départ, avait un visage beaucoup plus amène, ouvert, que la manière dont il est pratiqué dans un pays qui se rattache au wahhabisme. Bien sûr, à côté de ça, il y a le salafisme qui est encore beaucoup plus complexe et dans lequel, parce qu'il y a un salafisme piétiste qui évidemment n'est pas quelque chose que j'accepte parce qu'il y a un rejet des autres, mais il n'y a pas du tout de violence chez eux. Et alors, il y a un salafisme violent qui se trouve au cœur du problème aujourd'hui et qui a malheureusement fait des progrès dans les communautés arabo-musulmanes d'Europe.
Mais certains disent qu'en diplomatie, on exige généralement la réciprocité. Certains requêtent que la Belgique n'avait pas peut-être demandé à l'Arabie Saoudite la création d'une église. Parce que vous savez qu'il n'y a aucune église tolérée. Vous savez ce qui s'est fait à ce moment-là, je ne vais pas me répéter 36 fois, c'était un acte commercial, ce n'était pas un acte humaniste. Est-ce que vous pensez qu'on peut changer cette chose? Je pense qu'on est allé très loin sur ce plan-là, dans l'acceptation. Finalement de certaines pratiques qui ne sont pas celles qui viennent des pays d'Afrique du Nord, en particulier du Maroc, mais remonter le temps, je suis historien, on peut l'analyser, mais le remonter, on ne le fait jamais. Alors, une population d'origine arabo-musulmane, d'origine musulmane de manière générale, existe bel et bien ici en Belgique, elle est très bien ancrée, on est maintenant à la troisième voire quatrième génération de ces nouveaux Belges, mais le climat après en septembre, après les attentats de Paris, après ce qui se passe à Daesh, etc., être musulman en Belgique et en Europe de manière générale, même aux États-Unis, dans le monde occidental, on n'est presque très bien vu. Comment vous voyez l'avenir de ces musulmans ici en Belgique, pour rester convaincu? J'espère que l'on va dépasser l'image que l'on donne aujourd'hui du musulman. Parce que vous savez, c'est comme si on avait dit que tous les Belges étaient comme du trou. Maintenant, on a l'air de dire que tous les musulmans sont potentiellement dangereux, ce qui est totalement faux. Moi, je connais bien Molenbeek. Depuis ces événements, je suis retourné beaucoup plus vers le terrain. Donc j'ai une écoute que ont peu de gens. Je constate d'abord... Allez, 99% de cette population ne demande qu'une chose, c'est à vivre en paix. C'est à vivre de façon... Et je pense qu'il faut surtout éviter ce qu'on est en train de faire. C'est en ciblant l'ensemble de cette communauté, en jouant le jeu de l'islamophobie, y compris certains ministres. Le ministre de l'Intérieur, dans certaines de ses déclarations, frôle tout le temps l'islamophobie. Quand il dit maintenant, il faut surtout contrôler les gens qui ont une mine étrangère. Qu'est-ce que c'est? Alors voilà, quelle est votre réaction? Ça, pour lui, c'est extrêmement dangereux. Et laissez-moi achever. Pour le moment, la situation à Molenbeek, je ne sais pas s'ils en sont conscients, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne à Molenbeek. Et j'imagine que c'est la même chose dans le quartier Les Mains, que c'est la même chose dans le Chicago, que c'est la même chose dans d'autres quartiers. Mais moi, les relations que j'ai eues ces derniers temps étaient avec des Molenbeekois. Eh bien, il y a à la fois une désespérance et en même temps, les radicaux ont plus facile à recruter dans ce climat-là. Alors, comment ces radicaux recrutent, à votre avis, dans ces couches sociales? Alors ça, je devrais avoir un quart d'heure pour vous l'expliquer. Je pense maintenant avoir fait le tour du problème. Et dans le livre que j'ai écrit, j'ai consacré tout un chapitre à tous les éléments qui amènent à ce que l'on recrute des djihadistes. Est-ce que vous pensez, ou vous êtes d'accord avec certains analystes qui pensent que parce qu'il y a des discriminations à l'embauche ou certaines frustrations de ces jeunes, alors ça facilite le recrutement? Parce que les pauvres n'existent pas qu'en Belgique. Certainement que c'est un des facteurs. Mais je pense que l'erreur que beaucoup commettent, c'est de croire qu'il y a un facteur. Il y en a qui disent c'est le religieux, il y en a qui disent c'est l'économique et le social. En fait, c'est un faisceau de facteurs qui amène certains de ces jeunes à basculer malheureusement dans l'extrémisme. Certains radicaux ouvrent dans ce qu'on appelle maintenant des centres culturels transformés en mosquées. Alors certains regrettent qu'on ouvre facilement une mosquée, alors que les pays musulmans, pas n'importe qui peut ouvrir une mosquée. Ces lieux où on aurait recruté, ils se sont créés essentiellement depuis 2013. Je ne suis plus aux affaires. Vous devrez demander à Nam Skepman ce qu'elle a fait pour empêcher cela. D'accord. Alors, quel regard portez-vous maintenant sur la crise syrienne, puisqu'elle affecte directement notre vie ici en Belgique? Est-ce que vous êtes pour, par exemple, qu'on négocie avec Bachar el-Assad? Je crois que quand vous êtes dans un conflit, et que dans ce conflit, vous avez en face de vous des gens qui sont soutenus les uns par le côté atlantique, européen, etc., les pays traditionnels, l'Arabie saoudite, le Qatar, et de l'autre, ceux soutenus par la Russie, l'Iran, etc. Si vous voulez avancer, vous êtes bien obligé de parler avec tout le monde. Ça ne veut pas dire que vous approuvez, mais vous êtes bien obligé. Ou bien alors, vous laissez
continuer cette espèce de si drame. Si Philippe Mourot devait choisir un clan, il serait dans le clan l'Arabie Saoudite, le Qatar ou la Russie Je ne serais dans aucun des clans. Dans aucun des clans, je pense qu'ils portent tous de très lourdes responsabilités dans les événements, mais je pense tout de même que la plus grande des responsabilités, sur ce plan-là, sur le plan international, vient de ceux, et notamment les Européens et les Américains, qui ont déstabilisé la plus grande partie de ces pays arabes qui aujourd'hui sont dans des situations. Regardez l'Irak qui a été déstabilisé par la guerre qui a été menée dans ce pays à la recherche d'armes qui n'existaient pas. C'est évidemment une des explications, cette fois-ci, une explication plus ancienne, mais très importante pour comprendre ce que nous vivons. George W. Bush Jr. est l'un des responsables les plus importants de oui, cette crise. Oui, mais je dirais que, regardez, parce que nous regardons pour le moment beaucoup la Syrie, mais regardez la Libye. On achetait des armes. Sarkozy a fait acheter des armes à tout le monde, n'importe qui. Maintenant, on est étonné qu'il soit dans les mains de gens qui ont rallié Daesh. On a été d'une imprudence. L'Occident est responsable. Non, il n'est pas non plus l'unique responsable. Ne simplifions pas. Mais il porte une lourde responsabilité. Certains disent que les musulmans doivent aussi opérer un certain aggiornamento, une autocritique, une relecture de l'islam. Ça pourrait aider. Hein. Ce n'est pas la seule solution, mais l'une des solutions. Monsieur Tijini, d'abord, je vais vous dire quelque chose que vous devriez savoir mieux que moi, c'est qu'il n'y a pas un islam. Un islam. Il y a non seulement chiites et sunnites, mais il y a une série d'écoles. Il y a une série, c'est une grande religion, mais qui a des adeptes qui sont finalement très proches de la pensée philosophique occidentale. Vous en avez d'autres qui sont très éloignés. Et donc, moi j'espère que va progressivement se créer un islam que l'on peut qualifier peut-être imprudemment, mais enfin je vais le dire, d'islam européen. Plus en... Si vous y croyez, hein, cet islam européen, je ne pense... vois rien qui émerge. Ah si, moi je ne vois rien en tout cas. Eh bien moi, je vois beaucoup. Je vois, dans la grande communauté musulmane, il y a une grande majorité qui flotte sur ce plan-là, qui est restée dans les traditions. Vous avez une minorité qui s'est radicalisée, qui malheureusement a rejoint sous une forme ou une autre le salafisme. Et vous avez une autre minorité, que vous n'avez pas l'air de connaître, qui elle, au contraire, tout en gardant sa foi musulmane, vit de façon plus apaisée avec la manière de vivre traditionnelle des Européens. Moi, je me vois plus dans cette catégorie, mais bon, pour revenir à ce débat. Le ministre de l'Intérieur, Yann Yambon, NVA, appartenant au parti NVA, parti nationaliste flamand, avait déclaré dans la foulée des attentats de Paris qu'il allait nettoyer Molenbeek. Ah, il a dit pire, il a dit « on ne contrôlait pas les maisons ». C'est aussi injurieux pour Mme Skepmans que pour moi. Mais nettoyer, c'est, pour moi, c'est plus choquant que contrôler. Parce que nettoyer, on nettoie généralement les déchets. Alors, oui, tout à fait, mais pour lui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il appelle nettoyer les maisons? Vous savez, je suppose qu'avec Mme Skepmans, ça a continué. La manière dont l'état civil fonctionnait, dont toutes les règles de droit belge fonctionnaient, étaient exactement les mêmes à Molenbeek que dans les autres communes. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'il peut nous critiquer. Alors, qu'est-ce qui... Est-ce qu'il est partisan d'un régime à la soviétique ou à la nazie où on va avoir un espèce de petit chef qui contrôle les maisons? C'est peut-être proche de son idéologie, pas de la mienne. Très bien. Dans l'une des récentes déclarations qu'il a faites, vous en avez fait allusion tout à l'heure, c'est que, mais pour lui, je reprends ce qu'il a dit, c'est tout à fait normal que la police contrôle des profils d'origine étrangère parce que c'est des personnes qu'on recherche malheureusement après les attentats. Oui. Ça ne doit pas vous choquer, non? Si, ça me choque la manière de... Parce que si on considère que toute personne d'origine étrangère est susceptible d'être un terroriste, c'est injurieux pour l'immense majorité de la communauté. C'est vrai que dans les gens qui ont commis des actes graves, il y a une majorité qui sont originaires de cette communauté, mais pas exclusivement. Dans les gens, je peux vous dire que dans les gens qui ont recruté le djihadisme, il y avait des gens de souche européenne. Qu'on appelle des convertis radicaux. Hein. Dans Sharia for Belgium, il y en avait un nombre non négligeable. Alors ceux-là, c'est rien. Ceux-là, alors là, c'est du racisme. Très bien. Quelques commentaires. Le Parti populaire. C'est l'extrême droite. A porté plainte contre vous. Si vous portez le chapeau de. Enfin, c'est d'un ridicule. Plainte, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, sur quoi.
parce qu'ils n'aiment pas ma gueule, je ne sais pas. Parce que les djihadistes ou les terroristes venaient de Molenbeek. Ah oui, alors, pour eux, vous portez le chapeau. Oui, oui, qu'ils veuillent que je porte le chapeau, bien sûr, ils essayent de faire. Ils essayent d'aller plus loin que la droite classique dans la dénonciation de ces gens d'origine étrangère qui sont si méchants. Alors, vous n'êtes plus bourgmestre de Molenbeek depuis 3 ans, mais vous l'étiez depuis 20 ans, de 1992 à 2012. Après ces attentats, j'imagine que vous circulez dans les rues de Molenbeek, vous fréquentez certains endroits, je ne connais pas, mais bon, est-ce, quand vous croisez vos anciens administrés, quel accueil vous font maintenant, écoutez, après ce qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui, c'est plus commun. Dans les quartiers populaires, c'est incroyable, l'accueil que j'ai, il est... Enfin, c'est presque inimaginable. Les gens traversent la rue. La popularité est toujours intacte ? Non, elle n'a jamais été aussi forte dans ces quartiers-là. Les voitures s'arrêtent. Ben, encore en venant ici, tout d'un coup, il y a un klaxon derrière moi. Je vois, c'est des gens... Mais pourquoi, à votre avis, vous... Écoutez, c'est très complexe. C'est très complexe. D'abord, ils savent que j'ai eu une politique d'ouverture. Ils vivent une autre politique depuis 3 ans et en général, ils n'en sont pas très heureux. Et en plus... J'étais un homme qui avait une image d'autorité et j'ai l'impression qu'il regrette qu'il n'y ait plus à la tête de la commune quelqu'un qui a cette image d'autorité qui pourrait mieux les protéger. Je pense qu'il y a cela dans le plus. Mais c'est une popularité qui n'est pas nouvelle mais qui est pour le moment d'une intensité qui étonnerait mes adversaires. Vos adversaires politiques reconnaissent que vous avez cette popularité au sein des communautés d'origine étrangère de votre commune. Mais ils expliquent que c'est par ailleurs pour ça que vous n'avez pas une telle popularité dans les quartiers fréquentés plus par des Blancs, c'est on va dire. C'est vrai, pourquoi que, donc, parce qu'il y a un racisme latent, et quand vous êtes ouvert à l'autre, vous entrez vite dans une espèce d'image de méfiance. Alors votre fille, Catherine Moureau, s'est installée récemment à Molenbeek, elle vient de Schaerbeek, elle est mariée... Elle reprend le flambeau de Philippe Moureau. Non, pas exactement, mais elle va certainement s'investir beaucoup. Elle a sa personnalité. C'est une députée bruxelloise, oui, je vous rappelle, mais j'imagine qu'elle va se présenter. Elle est médecin, oui, absolument. Elle est médecin de formation. Elle a fait, dans la première partie, en sortant de l'université, elle a fait plusieurs années de médecine sociale. Elle est très, très, très ouverte, très sociale. Si elle a un point commun avec moi, c'est l'ouverture à la différence. Elle a un autre point très important, elle a le nom. Elle a le nom, bien sûr, mais rien... Pourquoi c'est suffisant pour... Non, absolument pas. Si peut-être elle doit bénéficier de votre popularité. Comment elle doit faire pour devenir la future Moureau de Molenbeek? Quel conseil lui donner, Yves? Le conseil, je n'ai pas tellement à lui en donner. Ça, c'est une première chose. Je crois qu'il faut laisser à une personnalité qui est une forte personnalité le soin de s'épanouir. Et en plus, j'ai fait la campagne régionale avec elle. Et là, j'ai pu apprécier cette empathie qu'elle a pour les gens, que je n'avais pas à son âge. À son âge, j'étais encore un peu le prof du nid, un peu réservé. Maintenant, je n'ai plus cela depuis déjà... grâce aux Molenbeekois, je n'ai plus ça. Mais elle est beaucoup plus ouverte. Elle va vers les gens et les gens alors vont vers elle. Certains dans la section, dans la locale de la section PS de Molenbeek n'ont pas apprécié ce qu'ils appellent le parachutage de Catherine Moureau à Molenbeek. Certains parmi eux, des fidèles de Philippe Moureau à l'époque où vous étiez bourgmestre, je ne vais pas citer des noms. Qu'est-ce que ça vous fait ? C'est toujours normal. Il y a de la jalousie, il y a peut-être des illusions perdues, c'est la vie. Très bien. Alors, dernière chose, Philippe Moureau, un souhait pour tous les Bruxellois de manière générale, pour le vivre ensemble. Le souhait, c'est qu'on dépasse, d'abord qu'on peut espérer, même si je ne suis pas sûr que ça arrivera, qu'on n'ait plus d'événements dramatiques. Je n'en suis pas certain parce que les échos qui me viennent du terrain ne sont pas toujours tellement... enthousiasmant, si je puis dire. Enfin, je voudrais qu'on dépasse tout ça et qu'on revienne, grosso modo, alors je vais être très prétentieux et je vais faire frémir une série de mes amis à une politique que j'avais engagée, qui est celle du respect de l'autre. C'est vos voeux pour 2016 ? C'est mon vœu pour l'avenir. Pour l'avenir. Et le titre de votre prochain livre ? Je n'ai pas encore définitivement décidé.
Ça, il sortira, il sera prêt pour quand? Écoutez, je suis bien avancé. J'ai écrit 130 pages. Je ne vais pas faire un livre long. Donc j'espère terminer l'écriture pendant cette période où je vais un peu me retirer. Et donc après, il faudra trouver un éditeur, bien sûr. Philippe Moureau, l'ancien bourgmestre de la commune de Molenbeek-Saint-Jean et ministre d'État. Il était également ministre de la Justice, vice-premier ministre belge. Philippe Moureau, merci. Avec plaisir. Meilleurs vœux. Et vous aussi. Et à bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Chères téléspectatrices.